Et nous sommes de retour, un nouvel épisode où on continue de s'amuser. J'ai envie de dire combattre plutôt, c'est mieux. Combattre les anciens. Donc là on fait que du DLC pour le moment. Donc il y a un petit symbole comme quoi ça appartient à nous, je pense. Carrière de cristal, tout ça. Donc ouais, je pense qu'on peut se faire voler en fait les sites. Ça c'est intéressant ça. C'est très intéressant ça. Je pensais pas que... en tout cas, on va en faire un autre. Donc la dernière fois, on avait fait la carrière de cristal vivant. Maintenant, on va faire la mine d'oricalque. Donc je sais pas si on va avoir exactement les mêmes ennemis ou pas. Mais bon, ça va être des anciens, c'est de nuit. Extrême. Arosa, vu qu'elle a plus de roquettes, je lui ai mis ça. Et on... par contre, je lui ai mis un sniper, je lui ai mis un raven. Parce que je pense que ça peut être utile d'avoir un raven pour elle. Car bah, ses armes, c'est pas trop ça. J'ai pas vraiment envie de changer pour un laser. Vu qu'elle a le lance-grenade et tout ça. Du coup, elle peut tirer gratuitement aux roquettes. Par contre... Ah oui, tiens, on pourrait prendre... on pourrait prendre des roquettes en plus. Ouais, ouais, on pourrait faire ça. Ça pourrait être pas mal. Du coup, elle pourrait tirer... Puis elle recharge gratuitement aussi, donc ouais, on va faire ça. Donc ça va être notre deuxième site de des anciens. Il y a Alexander pour le moment, avec ça il est pas super utile, j'avoue. Mais j'ai pas grand chose d'autre en fait. Je vais voir en pistolet si on a des trucs intéressants, ça m'étonnerait. Ça c'est pas mal, 100 dégâts. C'est 2 points je sais, mais bon, avec la poussée d'adrénaline, on pourrait tirer que, on pourrait utiliser qu'un seul point. Non, il nous faudra à la limite des fusils à pompe. Mais bon, genre nouvelle génération, hein, parce que... Là, on est un peu limité. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je vais être honnête, je sais pas trop. Il nous faudrait celui d'Anu. Ouais, à la limite, on peut mettre celui d'Anu, juste pour voir si ça peut être plus utile. Adèle, elle se débrouille. Elle a le laser et tout. Puis après, on a d'autres choses. Donc, ça va. Elle a une charge du laser, ça va. Ok, on y va. On y va, donc ça va être notre nouveau combat. Donc là, c'est une autre ressource qu'on va récupérer. Alors, je vais d'abord, comme j'ai dit, montrer chaque lieu. Après, si c'est tout le temps pareil, je vais arrêter de le montrer parce que ça sert à rien. C'est un peu comme les nids, les citadelles et tout, ça fait pareil. Donc après, je le ferai moi de mon côté. Si jamais on se fait attaquer, genre le site et tout ça, par contre, je le montrerai pour voir un peu. Mais ouais, je montrerai ce qui est nouveau, comme d'habitude. Parce que là, on est arrivé à un point du jeu où, où ça devient très long. On est genre à épisode 70+. Si je montrais vraiment tout ce qu'on fait, je crois qu'on serait déjà à plus de 100. Alors. Ok, donc c'est le cyclope. C'est le même. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est sympa cette structure. Alors est-ce qu'on pourrait à la limite... Je dirais de mettre les snipers ici. Et tirer sur tout ce qui avance. Alors, attention, on va faire un petit coup de frénésie. Ok. Ouais, je dirais ça. Je dirais de... De mettre les snipers genre ici. Par contre là on peut monter donc faut faire attention. On va avancer doucement. Here comes the Phoenix. Okay. Il y a un lieu aussi ici, ça c'est embêtant.
Parce que si ça fait comme la dernière fois, on va avoir beaucoup de gens autour. C'est bien de pouvoir faire ça. On va garder, je pense, les autres tourelles pour les avancer un peu. Alors... Ouais, je pense qu'on va les garder un peu. Parce qu'avant, après, au bout d'un moment, ils vont tous venir sur nous, donc... On va faire avancer Garcia. Peut-être les snipers parce qu'ils voient en fait de nuit eux. On va mettre des araignées. Là, il y a un passage et tout ça, donc peut-être qu'ils peuvent venir. C'est pour ça que je voudrais sécuriser la zone. Par contre, on a un peu un endroit de merde. Le bouclier, il est réparé. Ouais, tout ça. Ready. On va se mettre comme ça. Toi comme ça. Ok. Allez, on va monter. Une fois que les snipers seront en position, on commencera le combat. Ah, ennemi détecté. Ça, c'est le cyclope, ça. Ouh, il y en a deux ? Non. Non, c'est le cyclope. Je sais pas où exactement me mettre, genre là. Techniquement ils peuvent se mettre même à découvert, en théorie ils devraient rien prendre, mais bon. Enfin, là, est-ce que t'es accroupi? Normalement, t'es accroupi, c'est une demi-cover. Ok, comme ça, tu seras moins susceptible de te prendre des baffes, en fait. On place les araignées. Parce qu'après, ça va être combat à fond, quoi. Les trucs, ils vont pas arrêter de venir sur nous. Donc, autant être préparé, quoi. Ça sert vraiment à rien de s'avancer si on peut détruire le cyclope de loin. Ce que je veux dire. Si on peut rester là tranquille et tuer tout ce qui arrive de loin, ça c'est bien.
On va garder des tourelles de côté. Toi, t'es un peu loin de tout, ça c'est chiant. À la limite, on peut mettre les deux ici. Toi, t'as plus de tourelles, donc tu pourrais les balancer genre là-bas. Ok. Maintenant, la question c'est Garcia, on fait quoi? On le monte? Ou on le laisse en bas? Genre, s'il doit venir là. Ah, il peut aller loin quand même. Donc, si les trucs ils arrivent ici, il peut venir aider. Donc, en théorie, ça devrait être bon. Je pense que de toute façon, les machins ils attaquent pas. Ouais, c'est que quand on commence le combat qu'ils attaquent. Alors. Ok, c'est parti. Après, si tous les soldats, là, ils sont genre à terre, on pourrait aller les tuer. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'ils se... Comment dire? Ils s'activent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, une fois qu'on a mis l'alerte, tout le monde s'active et tout le monde vient sur notre gueule. Donc, je pense que ça fonctionne comme ça. Donc du coup, en théorie, on pourrait aller les tuer pendant qu'ils sont pas actifs. Mais bon, j'imagine qu'aller à côté d'eux, ça va les déclencher. Ready. Ok, allez, c'est l'heure. De l'acide. Faudrait quelqu'un qui fasse le tour. À la limite. Qui essaye d'aller voir où ils sont. Mais bon. On va garder les araignées à cet endroit-là pour le moment. Bon, on avance un tout petit peu. Ouh, c'est quoi ça, cette icône? Qu'est-ce que ça veut dire? Résistance aux MP... Protection de recalque 3. Réduit les dégâts de 90%. Protection de recalque. Aura de gardien de recalque. Ah! Alors... Aura de gardien d'Orical qui applique invulnérabilité au déploiement d'un bouclier allié. D'accord. Ça marche. C'était pas vraiment prévu ça. Ça va. Ça va, on devrait pouvoir se les faire assez vite.
Je vois un peu les dégâts. Ouais, ça va. En arrière. T'as encore des tourelles sur toi? Oui, t'en as encore 4. Ok, il te reste encore un coin. Toi, t'es quasiment au max, on va mettre frénésie à tout le monde. C'est allé presque en max en volonté, donc du coup, ça sert à rien de. De pas se buffer. Ok. Du coup, c'est bien les mêmes. Hein. Ils ont quoi? Un laser, un bouclier et une arme de mêlée. Ça marche. On va avancer ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai activé un piège, c'est ça? Je sais pas trop ce qui vient de se passer. Attends, peut-être que je peux faire des bons dégâts là. Ya! C'est pas idéal, mais. Pas idéal. Vraiment pas. Pas mal. Pas mal. On va continuer à faire des dégâts parce que c'est des dégâts un peu gratuits du coup. Voilà, très bien. Ah, j'aurais pu faire. Attends, je peux faire le laser. Dans la tête. Très bien, presque mort. Ah, on pourrait le tuer. Je crois pas que j'ai vu avec l'étoile. Ah, merde, elle a joué. Fait chier. Ah, c'est bête là! Là, c'est bête là. Bon. Une sorte de gros gorille. Ah ah! C'est pour ça que je l'ai avancé. J'avais dans l'espoir qu'il essaye de tirer dessus. Vu qu'il peut pas bouger,
qui peut pas trop bouger. On lui a détruit les jambes. Absolument détruire le golem. L'équipement détruit Fury 2. Putain de merde. C'est que ça coûte cher ce truc là. J'aurais limite préféré que tu lui fasses des dégâts. Quoi. Mais je crois qu'on en a quelques-uns de Fury qu'on a récupéré de Jericho. Ah. Oh la vache, sale délire. Ouf. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que lui va être. Ok. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Ça l'a pas détruit. Quelle merde. Faudrait qu'on tue. Toi, t'as un point d'action. Ok, on l'a eu, je crois. On l'a eu, c'est bon. Ok, personne a, plus personne a le, la défense. Ready. Ok, eux ils sont toujours invisibles. Mal. Sans déconner. Ils ont toujours la protection d'Oricalque en fait. Oh là là, le bordel, on n'a plus le lance-roquette. C'est chiant. C'est très chiant par contre d'avoir le lance-roquette. Ok, un de moins. On va se faire celui-là, là, mais ça va être un peu compliqué.
viennent surtout de là. Est-ce qu'on peut leur foutre le feu? P, virus, poison. Je pense qu'on peut leur foutre le feu. Ça, c'est une chose. Si on peut se transférer pour se pour bloquer ce côté-là, ce serait bien, mais on en a deux là, en arrière, qui foutent un peu la merde. Parce que là, toi, t'es un peu bloqué. T'as toujours ça. Que ça peut paniquer ces trucs. Dégâts psychiques en réduit de moitié, contrôle mental. Attaque un ennemi adjacent au corps à corps. Genre quoi, il fait ça automatiquement? De toute façon, on n'a pas trop le choix là. Pas vraiment le choix. Si on fait ça, c'est la moitié de dégâts. Ok, on l'a étourdi. On l'a étourdi, ce qui est une bonne chose. Tu peux te déplacer là. On soigne Adèle. Ok, pas de tête. Faut se mettre un peu en hauteur en fait, si on veut faire des têtes. Je vais bien tenter. Y a rien qui a apporté, c'est cool. Pas de panique. Pas de panique, tout va bien. Tout va bien se passer. Fait du genre zéro dégâts là, c'est bien. Bah après ils sont encore loin de nous. Ils sont encore assez loin, donc c'est normal. Encore plus d'ennemis détectés, c'est cool, c'est plaisir. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup.
D'accord, t'as une vue de merde. J'aurais dû regarder sur quel... Je pensais qu'il allait voir quelque chose là-bas. Pas du tout. Destiny 3, c'est quoi ça ? Oh, il m'a détruit le laser ! Mais ils font exprès ? Par contre, Adèle, elle est vraiment mal placée. Je devrais pas faire ça. Elle est vraiment mal placée. Je crois que je peux mettre autant d'armure que je veux. Je crois que les dégâts, ils sont pas réduits par l'armure. Il nous faut des snipers, en fait. Tu m'as détruit mon arme. Je crois qu'ils ciblent, parce que c'est comme les lasers en fait que j'ai au final. Les lasers de Phoenix. Ils ciblent les armes et tout ça. Je suis quasiment certain de ça. Super dangereux en fait. Ils sont méga dangereux. Ah la vache. Ça, ça coûte cher en ressources. Enfin après j'ai tout, je peux tout remplacer. Est-ce que... Attends, fais voir un peu. Genre cette arme, elle a aussi... Ouais, elle a une santé aussi. Ce serait un peu con que... Ils me la détruisent. Ok, c'est l'heure de faire briller les snipers, là. Pas une belle vue. Pourquoi t'es aussi résistante, c'est fou. Parce que t'as la protection d'oricalque en fait. On va devoir les faire venir. Les faire s'approcher parce que sinon ça va pas le faire.
fou, quoi. Faudrait qu'on tue lui. On va mettre un peu de... Non, frénésie, je sais pas. Non, non, tout le monde a frénésie encore. Je peux pas vraiment descendre avec Garcia. Oh là là, la merde! Ça, ça me rend fou. Ça fait trois armes qu'on a perdu. On a perdu un laser de greffe. Enfin, monté, on va dire. Un laser. Un fury, donc un lance-roquette. Et un piranha. Un fusil d'assaut. C'est abusé, quoi. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Un seul combat. Genre limite, faut pas avoir d'armes dans les mains. Faire exploser. Ah, ça m'agace. Il nous faudrait un lance-roquette ou un truc, un gros truc qui fasse plein d'explosions. Faudrait des véhicules peut-être, j'ai envie de dire. Peut-être des véhicules. Toi j'ai envie de te mettre là, mais il y a toujours ce con là-bas. Donc lui il m'embête en fait. On va contourner. Déjà, on va essayer de tuer lui là. Je sais pas si on peut pouvoir le tuer ce tour là, mais. Mais il va falloir qu'on contourne en fait. Genre là, je te one shot ou quoi? T'as combien de points? 2. On va faire pousser d'adrénaline. Ok, t'as plus la protection maintenant. Voilà. That was a kill, probably. Très bien.
va se mettre là. On va voir si ça prend feu. Ça prend feu. Ok, ça prend feu. Bien. On va garder la grenade dans la main parce que j'ai pas envie de la perdre. Aïe aïe aïe. J'ai combien de points? 13 sur 25. On va se faire des dégâts. Je suis pas super heureux là, putain. Mais bon. Ça devrait limiter leur déplacement avec le feu là. Enfin, après, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, je sais rien. Les snipers sont méga loin. Hors de portée, du coup ça les fait avancer. On va devoir jouer comme ça en fait, très défensif, et après les snipers les prend un par un. Parce que c'est super dangereux pour tout ce qui est armes et tout. C'est intéressant. Du coup, je suis en train de me dire que si on expose les tourelles, ça va être une catastrophe. Parce que les machins, ils vont les détruire, mais super vite en fait. Qu'elles ont que... C'est quoi? C'est 120 de vie? 150 pour celle-là et 120 pour les autres. Ouais. Ah ouais, non, mais elles vont se faire défoncer les tourelles, en fait. Très bien. Ok, on a fait un peu le tri. Ça a touché. Oui. Très bien. Bien joué. Après, ce qui est bien d'avoir des snipers invisibles, là. Ouais, du coup... on peut un peu gérer de loin, comme ça.
Okay, très bien. En plus, on peut pas les faire paniquer, du coup. Il en reste plus qu'un. Merde, putain, je me suis perdu dans le champ de bataille. Ok, il en reste plus qu'un. Très bien. Jamais passé. Bon, ça a ouvert la vue par contre. Ce serait tellement bien de pouvoir voir les lignes de mire en fait des tourelles quand on passe dessus. Ok, là on a dû faire mal au bouclier. Ça, c'est trop bien. Avec celle-là, on peut peut-être gagner. On peut peut-être le tuer. Ok, pas mal. Ouais, du coup, toi, t'es étourdi. C'est vrai que toi, il faudrait du coup te mettre la tête là, comme ça on n'aurait pas ce problème là. Alors, est-ce qu'on peut courir là? Mais jamais ça passe. Ouf. Ok, très bien. Parce que même se mettre en face avec le bouclier, même s'il nous tire tous dessus, le bouclier, mais en... Genre s'il y en a 4 qui tirent sur le bouclier, genre le bouclier explose déjà bien avant, et la personne meurt, quoi. La personne qui tient le bouclier meurt. C'est ouf. Que je vois rien en fait. Quoi? Tu aimes bien qu'il y en a un autre qui traîne? We have a plan? Moving. Ok, ça c'est pas fun par contre.
tirais peut-être là-bas. Genre en hauteur. J'ai pas vu si elle l'avait tué ou pas. Fais voir. Parce que je crois que t'avais 4 points. Attends, mais 8. Ou alors elle en avait 5, elle en a récupéré 3. Que c'est la merde. Alors frénésie. Il est où Merde, il est où Garcia? Il est juste là, d'accord, il est juste à côté. Ok. Frénésie. Il doit être caché encore. C'est bizarre qu'il soit pas venu en fait. Perdu, c'est ça? Attends, toi t'as... What are we doing? Toi t'as un point. Toi t'en as deux. Toi t'en as sept. Oh, qu'est-ce que ça va être relou. Parce que si j'y vais, que je le tape une fois, le machin... Ah, je vais l'étourdir. Je crois. Au moins, je l'étourdis. Bon, après, Garcia, il est résistant. Ça va, c'est pas comme si... Voilà, 600. C'est bon. C'est pas comme si Garcia, il était... C'est pas résistant du tout. Il y en a encore un. Un deuxième. Pute. Plein. Chier. C'est bien parce qu'il a récupéré son bras. Oh la merde quoi. Oh les snipers, ils voient rien. Oh. Do we have a plan? Elle, son bouclier commence à... Voilà.
Ready. Quelques dégâts, ça serait pas mal. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire grand chose avec les tourelles. Ah, ça me fait un peu chier. Non, pas de grenade. Ready. Pas monter par là, on est obligé de monter par l'escalier. Mais c'est top. C'est top, dis-moi. Parce que... Magnifique. Vous allez venir aussi pour aider. Ah, toi, t'es méga loin. Très bien que lui fasse un peu pareil. Ah putain. Ils ont quand même une belle vue du coup, hein. Je veux pas dire, mais ils ont une belle vue sur Garcia, hein. C'est incroyable. Évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Ok, ça c'est déjà bien. De volonté nulle part. Ok. Tu vas mourir ou pas? 30. En théorie, je crois que oui. Comment je fais pour détruire celui-là qui est en haut, putain? Voilà. Belle, quoi.
T'as... ça. Let's try this. C'est très limité hein, ce que je peux faire. Je sais pas comment attaquer. Ça me rend fou de pas savoir comment attaquer en fait. Devoir y aller avec un fusil à pompe en fait. I'm not sure about this. On va tirer juste au cas où. Genre là, peut-être qu'on voit. J'aurais dû vérifier. Là, je l'ai activé. Oh. Là, je l'ai activé, mais s'il faut... Ouais, non, voilà. Bien joué. Ça sert à rien. Cool, 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 cool. Toi, on va te soigner, parce que sinon, ça va être la merde. 380. Vache. Ouais, c'est peut-être un peu abusé son soin. Enfin, pour lui en tout cas. On va peut-être lui mettre juste des soins normaux. Lui. J'ai tellement peur qu'ils me détruisent mes armes, c'est un truc de fou. Ok. Alors toi, prenez-y attention. T'as toujours un truc de recalque ou pas? Non. Bouclier. On va lui tirer dans la tête en fait. Target hit. On a ça, mais je veux voir si on peut pas lui donner un point. Offensive, très bien. Ouh. C'était compliqué, ça a duré longtemps. Et ben, je pensais pas qu'il ciblait comme ça l'équipement en fait. Mais là, ils ont clairement ciblé l'équipement. Il n'y a pas photo. Tu vas pas me dire que je perds 3 armes en un combat comme ça au hasard. Là, on... Parce que vu que c'est des lasers, c'est vraiment le même système de laser qu'on a sur le dos pour Adèle. Du coup, ils te visent vraiment les parties du corps. Et tu peux pas les stopper. Très compliqué de les combattre au final. Hein. Ok, on a récupéré 1000. Oh!
Randolph's grandfather first spoke of an ancient civilization living on Earth. Back then, the Phoenix Institute was open to the idea. During my days, things have changed considerably. Looking back now, I'm convinced it wasn't by chance. Ori Halcum. Plato claimed it to be the gold of Atlantis. Others claimed that it was a golden bronze alloy used by the Romans. It seems they were wrong. The material is impossible to replicate or even analyze. The only thing we know for certain is that it's a metal alloy with organic components, and the ancients used it in their fight against a terrifying enemy. Tests show the material can affect mutated cells. We can use it with the construction of superior weapons to fight the Pandorans with. Not the most scientific approach, but after my spell in a New Jericho research center, I've learned to be flexible. A word of warning. By discovering this site, the Phoenix Project has become an even bigger target. Both the Pandorans and the rest of humanity will want this ancient technology for themselves. Keep that in mind as we go forward. Super. Alors, ruée vers l'or, mine d'oricalque, évidemment c'est la nouvelle Jéricho. L'industrie et la fondation de la puissance militaire, vous n'êtes pas les seuls à chercher l'héritage des anciens. L'oricalque, leur plus grand secret, est trop puissant pour être laissé aux prises d'une organisation arriviste dont les capacités sont aussi douteuses que son éthique. Seule la nouvelle Jéricho peut protéger les sites d'oricalque contre l'orgueil démesuré des hommes et des prédations des Pandoriens. Nous enverrons bientôt une équipe pour les libérer de votre commandement. N'opposez pas de résistante. What? Oh putain, vas-y le prix. Eh ben... assez... ah, c'est bon, ils ont remis un autre qu'on avait. Rosa, et il y avait Adèle. Adèle aussi, elle a le laser. Et une arme. Ah, bah c'était... ah, la vache, je suis pas très... je suis vraiment pas content. Bon, il nous reste encore un laser et un truc, et une roquette. Et on a perdu aussi, ouais, un fusil d'assaut. Mais ça va, je crois qu'on en a encore 3, c'est bon. Ça va, ça passe. Par contre, Garcia, parce que Garcia, en fait, t'as le soin. Du coup, honnêtement, t'as pas vraiment besoin de ça. Alors, maintenant, on a plus 6, l'orical, alliage doré des anciens. Voyez un vaisseau avec pilote pour récupérer les matériaux exotiques. Déployer un gardien. 1000. 100, pardon. D'accord. A chaque fois, c'est par rapport à leurs ressources, en fait. Bon, bah c'est bien. On a les autres cons. Enfin, tout le monde qui veut récupérer nos biens. C'est cool, ça fait plaisir. Ah là là, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on n'avait pas assez à faire avec les saloperies de Pandoria. Bon, bah on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer, du coup... fais voir un peu. Alors, Alpha 1... je suis content de ne pas les avoir combattus avant, hein, parce que si on avait combattu ça quand on était genre en début de partie, avec les... enfin, même s'il y en a beaucoup moins, parce que ça serait beaucoup plus simple, même s'il y en a beaucoup moins, des lasers qui ciblent nos armes, mais laisse tomber, ça va être une horreur. Alors attends, il y a là, c'est quoi ça? Une raffinerie de mutane. Ok. On peut faire ça. La prochaine fois, ça sera sûrement la raffinerie. Donc on a fait la carrière. La carrière, la mine. Maintenant, on va faire la raffinerie. Donc ça sera sûrement le troisième minerai. Ok. Après, on aura histoire ici. C'est quoi? C'est un champ de mutane. Ok. La raffinerie, c'est peut-être le plus gros, en fait. Le champ, c'est peut-être le petit, je pense. Si je me fie un peu au nom. Donc ça risque d'être plus dangereux encore. Ouais, on fera ça pour la prochaine fois. Je vais réfléchir à peut-être une meilleure façon de les combattre. Mais bon,
Je crois que les laisser venir et utiliser des fusils à pompe, c'est pas mal aussi. Hein. Je crois que ça fait des bons dégâts. Mais on n'a pas... on n'a pas développé, en fait, des fusils à pompe très puissants. On a ceux de base et ceux d'Anu. Et c'est tout. Ouais. Les grenades d'acide. Ouais, peut-être. Est-ce que les grenades d'acide, c'est mieux que les grenades de base? Oui, j'imagine. Parce qu'elles font... C'est quoi? Explosion 20, acide 20. Dégâts 40. Ouais, non, il y a du déchiquetage. Merde, je suis sur le mauvais truc. Explosion 50, déchiquetage 10. Ouais. Je sais pas. Ouais, il va falloir jouer un peu plus stratégique, un peu spécial. Pour les machins. Il faudrait... Ça aussi, ça peut nous aider. Le développement des fusils à pompe. Ça pourrait nous aider. Acide avancé. Ouais. Progrès du fusil à pompe. Fusil à pompe de Slam Strike. Ouais. On va faire comme ça. Ouais, comme ça, on essaye d'avoir ça. Peut être un peu plus efficace. Et le lance-roquette aussi. Et quoi d'autre? Sniper. Je sais pas trop. Je vais réfléchir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.